Hello everyone and welcome back to The Perfect French with Dylan. Today we are on chapter 17, we are going to see everything about technology. La technologie. It's not as long as the last lesson, we are going from page 159 to 162 and we're doing all the exercises in chapter 17. So we are going to see le téléphone, phone, l'ordinateur, computer, and l'internet, internet. This is really going to sum up everything about technology, the technology that you use. I didn't go very deep into technology that we basically don't use. There's a lot of technology in this world that we just don't have access to because we are the little people, the little one. So let's start with le téléphone. We have three main verbs for le téléphone. We have appeler, appeler, répondre, répondre, but I should have added as well décrocher, décrocher, and raccrocher, raccrocher, to hang up, raccrocher. Now the different types of phone, we have obviously un téléphone, un téléphone, un téléphone fixe, I don't know if you still have one of those, un téléphone fixe, un portable, un mobile, un GSM. You can find a lot of different ways to name it. In English, it's simply un cell phone. A cell phone, not un cell phone. And a phone number, we have un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone. To say a phone call, we also have two different ones. We have un appel téléphonique. Un appel téléphonique. And we have un coup de fil. Un coup de fil. Which is definitely a more familiar way to speak. Un coup de fil. Five words related to your phone, your cell phone. We have une carte SIM. Une carte SIM. Un chargeur. Un chargeur. Un écran. Un écran. Des écouteurs. Des écouteurs, but you can also specify with des écouteurs sans fil. Des écouteurs sans fil. Let's see the vocabulary in context with two sentences. Un inconnu n'arrêtait pas de me demander mon numéro de téléphone, alors je lui en ai donné un faux. Un inconnu n'arrêtait pas de me demander mon numéro de téléphone, alors je lui en ai donné un faux. Je préfère les écouteurs avec fil plutôt que les écouteurs sans fil comme les AirPods. Je préfère les écouteurs avec fil plutôt que les écouteurs sans fil comme les AirPods. Exercise 17.1. Now, l'ordinateur. L'ordinateur, computer. We have two main verbs for it. To turn on, to turn off. Allumer. Allumer, just like the light, allumer, éteindre, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre, ok? Now let's look at all the different parts of the computer. Some of them, we already seen them, but we can just do a quick review. So we have un clavier, keyboard, une clé USB, une clé USB, USB, un écran, un micro, un microphone, we've seen this one, un tapis de souris, and une souris, un tapis de souris, and une souris. Now if we look at the computer in itself, we have, well, un ordinateur, this one is quite easy, un portable, un portable, une tablette, and usually they are connected with un câble, and if it's not a laptop, usually you have une unité centrale. If we look at the desktop now, we have le bureau, I know that le bureau is the office, le bureau is also the desk, and it's also the desktop. All the same. Un curseur. Un curseur.
Un dossier, un fichier. Un dossier, un fichier. And une icône. Une icône. Une icône. Two more slides before the sentences. Un logiciel, un programme informatique. You can hear both. Un logiciel, un programme informatique. Une mise à jour. Une mise à jour. Un tableau. Un tableau. Then the last two, we have un informaticien. Une informaticienne. Un informaticien. Une informaticienne. And l'informatique. 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 Let's see. Elle a acheté un tapis de souris avec de la mousse car son poignet commençait à lui faire mal. Elle a acheté un tapis de souris avec de la mousse car son poignet commençait à lui faire mal. Son casque est cher, mais le son est horrible. Son casque est cher, mais le son est horrible. We are already at exercise 17.2. L'internet. Internet. The Wi-Fi in French is called. Le Wi-Fi. Le Wi-Fi. So while it's exactly the same, even though we don't have the dash, the pronunciation is very different because we don't have the Y in French. We only have E. So, Wi-Fi. Wi-Fi. An IP address. Une adresse IP. Une adresse IP, very simply. La connexion. La connexion. L'internet au débit. L'internet au débit. And the tiny thing that drives you crazy when it stops working. Un modem. Un modem. Now let's talk about blog, vlog, website. For a blog, it's very, very different. We have un blog. Isn't that easy? Un blog. And then we have un blogueur, une blogueuse. Un blogueur, une blogueuse. Same for a vlog, we have un vlog. Un vlog, un vlogueur, une vlogueuse. Un vlogueur, une vlogueuse. And for a website, we have un site internet. Un site internet, very easy. Everything related to emails, we have un abonné, une abonnée. Un abonné, une abonnée. For this one, we have three different ones. We have un courrier électronique, un courriel, un email. Un courrier électronique, un courriel, un email. A spam is un courrier indésirable. Un courrier indésirable. And don't forget to keep everything protected with a password. Un mot de passe. Un mot de passe. A search engine, we have un moteur de recherche. Which is the exact translation of a search engine. Un moteur de recherche. Un navigateur. Un navigateur. Une page d'accueil. Une page d'accueil. Un commentaire. Un lien. Un commentaire. Un lien. Now if you want to say that you're online or offline, we say en ligne, hors ligne. En ligne, hors ligne. Two sentences. De nos jours, la plupart des enfants veulent devenir vlogueurs. De nos jours, la plupart des enfants veulent devenir vlogueurs. This one. Le Wi-Fi est considéré comme l'un des besoins fondamentaux de la société humaine. Le Wi-Fi est considéré comme l'un des besoins fondamentaux de la société humaine. That's it already. To finish with the exercise 17.3. The next lesson is going to be on Monday if you follow this on Friday. Otherwise, it's probably already there. It's going to be everything about the house. La maison. We're looking about the vocabulary about each room individually. Very interesting, so make sure to not miss it. Don't forget to subscribe and like this video. It really helps me. And I will see you on Monday. À lundi.